Salut les amis, alors on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors je me retrouve chez mon ami Franck. Et voilà, ça ce sont des oiseaux qui vont par exemple. Je vais me mettre ici. Voilà, on a du agate mosaïque rouge. Voilà, c'est des jeunes de l'année passée. Alors ici on a tous les mâles de l'année passée. Enfin tous, il y en a déjà pas mal qui sont partis parce qu'il est en train de renouveler son élevage et de changer d'oiseau, de race et de qualité. Donc voilà, il a également fait des travaux en haut dans son grenier où il élève les oiseaux. Ici, c'est les femelles. Voilà. Tout ça, c'est les femelles. Et donc, il a construit ses cages ici, comme vous voyez. Hop. Voilà. Alors, je vais couper, je vous reprends dans sa nouvelle pièce. Voilà les amis, alors là je pénètre dans sa pièce d'élevage. Pour ceux qui ont vu la vidéo de l'année passée, vous allez remarquer le grand changement. Plus de volière, que des cages. Voilà. Vous voyez, là il a démonté toutes ses cages. Il les a toutes repeintes. Alors ici, on a un coup de chardonneret. C'est le côté avec des tarins. Voilà. Ici, on a encore un couple de tarins à tête noire. Un couple de bouvreuils. Ça begin là. Encore un couple de bouvreuils. Ici, on a deux femelles et un mâle. Nus fait le vétérinaire. Beaucoup d'espace. Alors, ici, on a les chardonnerets classiques. Ici aussi. Ici, on a un couple en mutation, brun à tête blanche. Et ici, encore un couple. Alors, Franck va faire du Harlequin portugais. Voilà ces nouveaux oiseaux. Je vais un petit peu vous les montrer. Très belle qualité. Qualité. Celui-là est très joli. Y a rien. Hein? Il est un petit peu gris brun comme ça. Voilà. Vous pouvez constater, tous les oiseaux sont séparés, sont seuls. Voilà. Celle-là aussi, elle est brune aussi. Voilà. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de couleurs qui peuvent sortir d'un couple d'harlequins. Celui-là aussi, il est bien coloré, celui-ci.
Franck, vous pouvez proposer une totale à Benu? Comment on va faire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 couples. 10 couples d'arlequins au total. Ah oui, ici, la agate mosaïque rouge. Ça, c'est un peu immense. Deux mâles. Dans un pop, femelle. Une soie quart de doune, portugais, arlequin. A 4 mosaïques rouges et 8. Donc cette année il va faire des harlequins. On a ici que du harlequin, 10 couples. Ici il y aura des agates mosaïques rouges et là il y aura les couples de blanc. Hein. Ouais. Alors, vous voyez, tout va changer. Et là il y aura des couples où il espère mettre des œufs de chardonneret. Dans cette cage, donc vous voyez, la pièce a bien changé, il a fait une table, hop, tout est bien aéré, des Velux, finition, au plafond, partout, même ici, le sol qui a été repeint, voilà, vraiment un plaisir pour venir travailler ici, voilà, Franck, il est là. Bye. Ici, ces cages-là, il doit encore les repeindre, comme vous voyez. Hop. Alors ici, ça a été construit pour, si jamais le mâle est trop agressif ou quoi que ce soit, pour éviter qu'il pique les œufs, il y a moyen de l'isoler et qu'il rentre pour la femelle. Donc c'est construit dans la cage. Là, tout est démonté pour repeindre. Et ça vient comme ça. Ici, il n'y a pas d'éclairage pour l'instant. Et tout ça, ça a été repeint et refait. Extérieur et intérieur. Et là, vous avez... la séparation pour mettre le mâle. Ici, par exemple, chez Chardonneret, il y a déjà la lumière. Vous voyez, ça donne comme ça. Voilà. Hop. Ici, il fait un petit coin pour tout nettoyer. Voilà. Avec un petit frigo. Avec du coca. Voilà. Les produits. Le stock. Le magasin. Les nids. Tout ce qui s'ensuit. La charpie, voilà, top, top, top. La volière pour mettre quelques jeunes. Il y a les volières en bas de toute façon. Voilà. Alors je vous montre quand même ce harlequin là, il me plaît beaucoup. Il y en a deux qui me plaisent beaucoup ici. Celui-là. Celui-là aussi. Celui-là. Une gorge blanche comme ça. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Ouais les amis, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. Là, vous avez remarqué qu'il y a encore des cages vides, hein, comme je vous ai montré, donc c'est pas fini. Donc cette vidéo sera la partie numéro 1 et il y aura une partie numéro 2 quand tout sera terminé et que tous les couples seront composés et mis en cage. Et ce sera aux alentours du mois de décembre, je pense, que Franck va commencer à mettre la lumière et à commencer l'élevage donc au mois de janvier. Voilà les amis, on se retrouve tous pour une nouvelle petite vidéo la semaine prochaine. C'était l'élevage de Franck. Ciao, ciao.